Bonjour. VapiDF est l'occasion de voir de merveilleuses machines, à la fois navigantes et roulantes. Patrick vient nous impressionner avec ce superbe camion. Patrick, quel est ce camion? Explique-nous-le. C'est un camion qui devait rouler dans les années 1900-1910 aux États-Unis, je crois. D'accord, et il servait à livrer de la bière, de la Grimbergen, c'est ce qui est écrit là. Non, ça, la Grimbergen, c'est moi qui ai rajouté ça. Ah d'accord. Je voulais mettre quelque chose sur la manche. D'accord. Est-ce qu'on peut voir la mécanique? Tu peux nous expliquer la mécanique un petit peu? Je vais enlever là. Voilà. Merci mon brave. Attention, il y a un élastique là. T'as l'élastique. Donc la machine est un bicylindre oscillant horizontal, d'une cylindrée. C'est le plan du Val, ça Environ 5 cm cubes. Environ. D'accord. Donc on voit toute la partie crémaillère, on voit bien sûr la partie soupape avec bien sûr le siphon du manomètre. J'imagine qu'ici, ça c'est la direction parce qu'effectivement les roues pètent, ouais. Regardez. Ah, ça rigolait pas à l'époque, hein, avec les chaînes. Ah, c'est formidable. La chauffe est... Ah oui, d'accord. Le brûleur est caché ici, sous le siège en téflon. Sous le châssis, là. D'accord, dans le caisson, sous le châssis. D'accord, avec les chaînes pour la transmission. D'accord. C'est quoi, au gaz? Chauffe au gaz, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un régulateur et ou un détendeur? Il y a un détendeur, mais il n'y a pas de régulateur. D'accord. Et là, il y a une trappe de visite. La boîte à fumée. Oh, magnifique. Hein. J'espère que les gens les... Justin, il est où, bien? Justement, c'est un... Justin! Appelle Justin qui amène son camion, là. Justin, ton camion! Les pneus, c'est quoi? Là aussi, ce sont des roues pleines. T'es bientôt prêt, monsieur Lagriffe? C'est pas d'électrique, ça. Voilà. La vapeur. Donc vous avez maintenant une nouvelle vision du monde de la vapeur au travers des camions. Et la prochaine étape, c'est la présentation du camion de Christian. Au revoir les amis.